Et on reçoit pour ce 7-8 week-end Sylvie Lahuna. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien, Sylvie? Très bien. Bon. Avec vous, on va parler de l'automne. C'est ça. Hein, mais des saveurs. Oui. Vous allez nous donner un peu de soleil. Bon, aujourd'hui, il y a du soleil, ça va bien. Ça va, oui. Des fois, il pleut, il ne fait pas franchement bon. C'est l'automne. Tout à fait. Alors, pour commencer, les gourmandises musicales. Parce que d'abord, on va parler de l'automne en musique. Ça passe mieux, c'est plus gai. Et les gourmandises musicales, eh bien, c'est du 5 au 26 octobre donc prochain. Et puis, ça sera le moyen de découvrir à travers 8 concerts le monde de la musique classique, mais auquel va se mêler les musiques du monde, les musiques de films et puis aussi le gospel. Donc, plusieurs types de musique qui s'associent très mais bien. Mais alors là, j'ai bien compris le côté musique, ça me passionne. Mais ce qui me passionne encore plus, c'est le côté gourmandise. Là, c'est après la musique. Ah, bah, on fait des dégustations, on va dans le restaurant. Après la musique, d'accord. Ça c'est dans le programme, un programme qui est téléchargeable sur le site internet du Conseil Général. Ce sont des spectacles gratuits, ce qui est encore mieux. Ah oui, et même les gourmandises après sont gratuites. Ah non, les gourmandises, on les paye. Le spectacle est gratuit, j'ai dit. Le spectacle gratuit, pas les gourmandises. C'est déjà pas si mal. On va continuer en musique, on va parler de Ravel. C'est à Montfort-l'Amaury que ça se passe. Oui. Alors tous les ans, il y a effectivement à Montfort-l'Amaury les journées Ravel. Alors cette année, ce sont les 6, 7 et 13-14 octobre. Et donc, on a mêlé cette année deux musiciens qui sont tous des Yvelines finalement, puisqu'on a associé Debussy à Ravel. Debussy est né à Saint-Germain-en-Laye et Ravel y a terminé sa vie, lui, à Montfort-l'Amaury. Donc, ce sera l'occasion de découvrir des sonates des deux musiciens et on pourra même avoir un spectacle pour les enfants autour de la sonate Pinocchio. Donc, c'est le nom de la sonate, Pinocchio? Oui, c'est sur Pinocchio, la sonate. D'accord. Voilà, et donc, tout ça après une balade à travers la ville de Montfort et après découverte des différents concerts sur deux week-ends consécutifs. Ouais, très intéressant. De bons moments dans une belle ville médiévale. Debussy, on connaît moins, c'est pas toujours très accessible, mais c'est, en tout cas, c'est à découvrir. Les deux associés, c'est joli, plutôt pas c'est mal. Sûr. Oui. On va faire du cheval avec vous maintenant. Enfin, on va regarder. Oui, non, on va pas en faire. On sera pas capable de faire ce qu'il faut. Je suis pas ma tenue en plus, alors ça va pas être possible aujourd'hui. Donc, on va aller voir un spectacle équestre qui se trouve au Haras des Brévières. C'est du 11 au 14 octobre, donc la semaine prochaine. Et on pourra découvrir un spectacle son et lumière avec Lucien Grus, c'est son fils. Et donc, qui va produire un spectacle puisqu'il est spécialiste des spectacles équestres. Il est cavalier, il est écuyer, il est dresseur. Et à l'occasion de ces spectacles, il fait des choses merveilleuses en son et lumière. Le manège du Haras des Brévières est entièrement décoré et illuminé, et c'est un merveilleux moment pour les familles. Et c'est un Lucien Grus, donc c'est la famille Grus, donc du coup c'est ça. C'est déjà c'est un gage de qualité, ça c'est sûr. Voilà. Direction les Mureaux pour la 11e édition du festival Le Mosaïque. Voilà, alors ça c'est encore quelque chose de complètement différent. Ça a lieu aux Mureaux. C'est vraiment le spectacle à ne pas manquer sur les bords de Seine. C'est entre le 12 et le 21 octobre. Et donc là, on pourra découvrir des artistes célèbres. Très variés. Hein. Extrêmement variés, puisque ça va. Zebda, Michel Delpech, ça n'a rien à voir. Berry, Mina Tindall. Donc toutes ces personnes n'ont rien à voir les unes avec les autres. C'est très complémentaire. On pourra avoir des cours pour réaliser les paroles d'une chanson avec des paroliers. Et puis on aura des échanges avec les artistes. Donc c'est un moment extrêmement varié aux Mureaux. Donc prochainement, puisque c'est du 12 au 21. Donc Festival Mosaïque, plein de mélanges, comme son nom l'indique. On revient, on a commencé la chronique en parlant de gourmandise, on continue en parlant de saveurs et on va aller au potager du roi à Versailles. Oui, alors on va au potager du roi à Versailles, puisque ce week-end, ce sont les saveurs du potager. Alors qu'est-ce qu'on va découvrir cette fois-ci, puisque ça a lieu tous les ans aux saveurs du potager? On va sensibiliser le public au potager et à l'agriculture urbaine. Donc le visuel l'indique un petit peu. Donc on va pouvoir avoir différentes techniques. On va vous expliquer comment on fait un hôtel à insectes.
en pleine ville, tout ça. Comment on peut faire une petite serre tropicale, un petit jardin de balcon. Donc, on a aussi des petits ateliers pour les enfants, comme toujours. Donc, toute la famille peut profiter de ces saveurs du potager à l'occasion du week-end, de ce week-end. Alors, si on n'est pas très fruits et légumes et qu'on est plutôt fromage... On va à la ferme des Basiques. Ne me regardez pas, je cherchais une transition fort intelligente. C'est extrêmement donc, bien, c'est bien c'est parce bien que ça fait tout le repas finalement, les fruits, les légumes, donc, le fromage. Voilà. Donc fruits, légumes et fromage évidemment, donc à la ferme de Galie. C'est ça. C'est ce week-end aussi, c'est pour ça, c'est en même temps. En même temps. Donc on fait le matin l'un, l'après-midi l'autre si on veut. Et donc c'est la fête du fromage à la ferme de Galie. Donc là on pourra rencontrer des producteurs, affineurs. On pourra échanger un petit peu avec eux pour connaître leur technique d'affinage. Déguster, bien sûr, parce que c'est quand même aussi le but de ce genre de manifestation. Acheter également. Et il y en aura pour tous les goûts, puisqu'il y a des fromages qui sont issus de nombreuses régions françaises. Il y a de la Tomme, il y a du Beaufort, il y a du Roquefort. Du Livarot et j'en passe, c'est des meilleurs. Voilà. Et il faut savoir que dans les Yvelines, on produit du chèvre. C'est ça. Des petits producteurs de chèvre. Aufargis, par exemple. Oui, qui est très bon d'ailleurs. Qui est très bon. Et la fête du fromage à Melun. Alors c'est encore autre chose après. Et c'est la semaine d'après. Ah, c'est la semaine d'après, d'accord. Ça c'est quand même une institution. Absolument, c'est la semaine d'après. Heureusement que vous ne m'avez pas collé. Hein. Ça non, va. Mais c'est vrai, ouais, parce que c'est du direct hein, tout de même. C'est pour ça. C'est bien, vous connaissez bien votre départ. Ouh, là là. Allez, atelier goût et cuisine. Alors là, on va repartir au Moyen-Âge. Loin dans le temps. Alors, le Moyen-Âge, ça c'est au château de la Madeleine, au parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse, puisque c'est la maison du parc qui s'y trouve. Et donc, quoi de plus naturel que d'être dans ce monument, puisque c'est un monument du Moyen-Âge. Et donc, on va découvrir les techniques que l'on utilisait au Moyen-Âge, ainsi que les recettes de cuisine du Moyen-Âge. Donc, un plongeon dans le temps. Et je pense que ça doit être assez étonnant, puisque le guide du parc qui fait ses animations est complètement absorbé par cette époque et vous transporte littéralement. Donc je pense qu'on va manger des plats assez lourds et conséquents. Hein, parce que... Je pense que ça ne devrait pas être du light, comme on dit maintenant. Alors, et dernier atelier. Alors là, on a parlé fruits, légumes, fromage. On va finir avec... Le dessert avec Patrick Leray, voilà. Qui anime un atelier à... Gourmandise. Eh oui, alors, cette fois-ci, c'est toujours dans le parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse. C'est dans un style très différent, puisque là, on est dans un château du Marquis de Breteuil, où Patrick Leray, effectivement, vous fait des démonstrations et vous fait faire les recettes, puisqu'il s'agit de macarons et de cookies. Vous les faites, vous les testez, vous les dégustez, bien sûr, et vous partez avec votre petite recette pour les refaire à la maison. Vous n'êtes pas venu avec vos macarons ? Ben non, ni mon fromage, ni rien du tout. Lamentable. Je lance un appel à Patrick Leray. Venez, Patrick Leray, en plateau, nous amener les cookies et les macarons qu'on a vus en image. Et faire les petites démonstrations pour qu'on puisse savoir les refaire. Et oui, tout à fait. Et on change avec un dernier sujet qui n'a rien à voir, mais si du coup on veut se dépenser parce qu'on a beaucoup mangé, on peut faire de. Pas si on se dépense tellement, mais enfin. On peut faire de la danse baroque. C'est ça. De la danse baroque à Versailles. C'est une société qui... Vous le faites bien, en tout cas. On n'a pas vu l'image. Voilà, réalisateur. C'est le petit doigt. Mais ça, c'est plutôt la danse bretonne. C'est pas la danse baroque. Alors ça, c'est le bal de Versailles, l'association le bal de Versailles, qui organise ça tous les lundis. Et on peut apprendre à faire de la danse baroque qui s'appelle la belle danse. Et cette belle danse, on peut prendre des cours pour la faire. Alors on apprend, bien sûr on s'échauffe un petit peu quand même, parce qu'il faut être un peu souple. Et puis après on apprend le positionnement des bras, comment se comporter pour faire de la belle danse tous les lundis à Versailles. Voilà, danse baroque donc à Versailles. Merci Sylvie Léonard d'être venue sur ce plateau.